Avec Alaï Tribe, ça fait maintenant 14 ans qu'on est en tournée ensemble, qu'on est sur la route. On a fait 7 albums, on a fait à peu près un petit peu plus de 750 concerts ensemble. C'est une histoire de famille surtout parce qu'on se connaît depuis très longtemps chacun des musiciens entre nous. Et en fait, Alaï Tribe, ça a été la recherche des instruments du monde entier un petit peu pour créer une musique moderne mais avec des instruments en fait ancestraux avec des instruments qui des fois comme le didgeridoo peuvent avoir des milliers d'années ou des choses comme ça ou des guitares électriques, batteries, basses, des percussions du monde entier. Alors, c'est vrai que notre particularité par rapport à d'autres groupes, c'est qu'on fait pas du rock and roll, pas de la funk, mais on fait la natural trance. Alors les Anglais, ils ont tendance à appeler la organic trance. Et les Néo-Zélandais, organic trance. C'est pas pareil. Bon, et c'est la même chose. L'idée, c'est qu'on arrive devant un public qui ne nous connaît pas toujours, mais qui va, espérons-le, danser sur chacun de nos morceaux. Ça fait plaisir de voir que c'est un festival qui est très engagé pour l'écologie, les citoyens. Et c'est vraiment le courant qui nous fait vibrer. On vient d'arriver ici d'ici peu parce qu'on était sur la route. On vient juste de rentrer du Boom Festival où on était là il y a quelques jours là. Un festival qui a ouais voilà hier qui a réuni un peu plus de 20 ou 25 000 personnes du monde entier en fait de tous les horizons et sur le même dance floor. C'était pendant 5 jours. C'était vraiment magique. Voilà. Alors c'est vrai que de passer du Portugal à la Belgique, on sent une montée logique puisqu'on se dirige au fur et à mesure vers la Hongrie et la Croatie. Donc on remonte et surtout on est très content de jouer pour le public belge dans le sens où on a beaucoup fait de rave parties et de festivals un peu techno, mais on voulait jouer pour le festival comme on fait en France toute l'année. On tourne dans énormément de festivals en France et on aime bien jouer avec des groupes comme ce soir il va y avoir Bonga ou Groundation demain. Ça nous fait honneur de jouer sur le même line-up que ces artistes-là. Et on se sent tout à fait connecté de par notre attraction aussi pour le reggae d'une part, l'Afrique d'une autre. Et en général, c'est vrai qu'il y a un sentiment d'art qui s'exprime dans tout le festival, une architecture incroyable. Et puis c'est vrai qu'il y a des idées engagées. Voilà, on est content d'avoir été invité. On veut vraiment revenir en Belgique et donner tout ce qu'on peut. Ce qui est incroyable cet été, c'est qu'on vit une espèce de grand chelem dont fait partie Esperanza Festival, d'accord? Et ce grand chelem a vraiment commencé. Alors d'abord cet été, on a fait quelques concerts pour se chauffer en France, tu vois, 5 000 personnes, voilà. Et puis après, on est passé à Antaris Festival en Allemagne, et là, ça a commencé le grand chelem. C'est-à-dire qu'on joue dans un milieu où il n'y a pas d'autres groupes, il n'y a que nous comme un groupe. Tous les autres, c'est des DJ. D'accord? Et il faut faire le même effet aux gens que ce que font les DJ avec leur son masterisé électronique de bombe. Après, donc, Paradise. Paradise en Autriche, on est allé au Paradise Festival en Autriche. Là, il pleuvait des cordes, et heureusement, quand on est arrivé, pas plein soleil. Alors là, je leur ai dit, mais c'est normal, j'habite à Ibiza, je vous ai ramené le soleil, ça c'est normal. Et ensuite, après, on a continué en allant au Boom Festival, et là, aïe aïe aïe. Alors, le Boom Festival, l'espace-temps est distordu. C'est-à-dire 5 jours, c'est pas 5 jours, c'est une autre conception, c'est juste une aventure incroyable, avec du son constamment ambiant partout où vous allez. Et quand même une fraternité entre les gens qui y sont, qui est quand même remarquable, avec une créativité qui nous a marqués. Donc on revient de ce Boom Festival fort d'une expérience révolutionnaire, et on est prêt à jouer en Belgique avec toute notre énergie, redistribuer ces good vibes au public belge. Yes, this is the highlight tribe for music to know, one love, peace.